Bonjour à vous, bienvenue à cette vidéo de 17h et quelques. Alors aujourd'hui, je vais vous parler d'un livre pour enfants qui s'appelle Beaucoup de moutons pour un loup glouton. Alors, bon, cette vidéo se fait en direct avec les moyens du bord, donc je ne vais pas pouvoir tourner les pages et à la fois tenir le téléphone, donc je vous raconte l'histoire. Ça, c'est une histoire qui s'adresse plutôt aux plus petits, puisque là, en fait, le loup, je vous explique, va aller dans un parc, va monter en haut d'un arbre avec des jumelles et va voir tous les moutons qu'il y a à sa portée. Donc, il va compter un mouton, deux moutons, trois moutons, quatre moutons. Et quand il va arriver à 100 moutons, ses yeux vont se faire très, très lourds et il va s'endormir. Et quand il va se réveiller, ce sera la nuit et tous les moutons seront partis. Voilà, donc c'est un livre pour jeunesse qui s'adresse plutôt à notre jeune lectorat qui apprend à compter. Voilà, donc c'est rigolo, ça permet et on passe de 1 à 100 hein, sur toutes les pages, rassurez-vous. Voilà, donc eh ben, moi je vous fais plein de gros bisous. Je vous remercie tous du fond du cœur pour ceux qui ont fait suite à la vidéo de Fabrice ce matin. Et en attendant, c'est pour ça que dans le fond, vous voyez que je suis en fait pas à la maison mais à la librairie. Voilà, eh ben, plein plein de bisous à vous tous. J'espère que vous allez très bien et puis je vous dis à demain. Salut, salut!